son grand amour, dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Par son grand amour, dans mon âme, Jésus à ma place, oh, Chante gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, faire écoute sa voix, gloire à Dieu, mon Dieu, réjouis-toi, sauveur, et son Père Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur, que Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera, cueille en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, Père, écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde, réjouis-toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, Père, écoute sa voix, gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde, réjouis-toi, pauvre, désopère, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Je ne sais pas le jour où je ferai le roi, je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Yélélé. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Les chants des bienheureux, et là sont les accords. Des hymnes angéliques, mais je sais que joignant ma voix au seul cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon amour sera reconnu. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Alléluia. Nous prêchons sur les secrets, les piliers de la royauté. Preach on the secrets, the pillars of royalty. De Salomon. Of the royalty of Solomon. Et nous avons dit que le pilier central. And we have said that the central pillar. Le premier pilier. The first pillar. C'est la sagesse. Is the wisdom. Et pendant que nous parlons de la sagesse, and as you are talking about the wisdom, nous parlons de ce comportement, we talk about that behavior, de cette façon de faire, that manner of doing, que nous devons implémenter dans nos esprits, that we must implement in our spirits, pour pouvoir nous en sortir dans tout ce que nous faisons. In order to make it in all the domains. Nous réalisons que
Salomon est le fruit d'une relation assez bizarre. We realize Solomon is a fruit of a strange relationship. David rencontre Bathsheba. David meets Bathsheba. Et ils font un premier enfant qui meurt. And they have a first child who dies. Et au lieu que David dise que cette relation, il y a le diable dans ça. Instead of David to involve the devil in your relationship. Il n'y a pas de bonne chose dans ça. There is no good thing in this relationship. David a persévéré dans sa relation. David persevered in his relationship. Et David, de cette relation, a produit Salomon. From that relationship, Solomon came. Je parle ce soir de quelques secrets encore liés à la sagesse. Tonight, I still talk about some secrets linked to wisdom. Et nous disions au premier culte. We're saying during the first service. Il y a des choses que nous disons qui ne concernent pas ceux qui sont en bas. They are things we say that doesn't concern those who are down. Il y a des choses que nous disons qui ne concernent pas ceux qui sont dans, ne veulent pas être dans la gloire. There are things we say that don't concern those who don't want to bring glory. Il y a des choses que nous disons qui ne concernent pas ceux qui n'aspirent pas à la grandeur. There are things we say that don't concern those who don't aspire to greatness. Il y a des choses que nous disons qui ne concernent pas ceux qui n'aspirent pas à la richesse. There are things we say that don't concern those who don't aspire to riches. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Caleb. The Bible says there was a man called Caleb. Caleb a été appelé à servir Dieu au même moment que Josué. Caleb was called to serve God at the same moment than Joshua. Mais pendant que Caleb et Josué marchent, as Caleb and Joshua are working, Dieu fait grâce davantage à Josué et Dieu place Josué devant Caleb. God grants grace to Joshua and places him before Caleb. Et Caleb marche derrière Josué. And Caleb walks before Joshua. Pas parce qu'il n'a pas été appelé. Not because he has not been called. Mais parce qu'il n'a pas la grâce pour être chef. But because he doesn't have the grace to build heads. Est-ce que tu sais? Do you know? Que tu peux avoir une certaine grâce. You can have a certain grace, une certaine bénédiction. A certain blessing. Mais Dieu te fait prospérer derrière quelqu'un. But God makes you prosper behind somebody. C'est pas parce que tu as les dons spirituels que tu peux ouvrir une église. It is not because you have spiritual gift that you can open a church. Pas parce que tu sais prêcher que tu peux être leader d'une église. Not because you know how to preach that you can be the leader of a church. Pas parce que tu es le plus performant dans ton entreprise que tu peux créer une entreprise. Not because you are the most qualified in your company that you can create a company. Il y a des gens qui prospèrent en étant numéro 2 quelque part. Some people prosper being number 2 somewhere. Il y a des gens qui prospèrent en étant second quelque part. Some people prosper being second somewhere. Et la convoitise, quand elle monte dans leur cœur, when covetousness increases in their hearts, cette convoitise leur fait croire que non. It makes them think that no. Si tu fais pas attention, if you are not careful, en tant que second là même c'est pas bien. As a second you are not at the tu peux place. Occuper la première place. You can occupy the first place. Caleb a été appelé à 40 ans. Caleb has been called at 40 et je years. Crois qu'il était l'aîné de Josué. And I think he was the first. Josué chapitre 14. Joshua chapter 14. Ouvre ta Bible, nous parlons de la sagesse. Je parlerai de la persévérance. Je parlerai de la patience. Je parlerai de l'assurance. Je parlerai de la confiance ce soir. Alléluia. Josué chapitre 14 à partir du verset 6. Il est écrit. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Guilgal et Caleb, fils de Jephunné le Kénizien, lui dit. Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. » Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et il lui donna Hébron pour héritage. Amen. Amen.
Josué a été appelé le même jour que Caleb. Joshua was called the same day than Caleb. Et quand Dieu appelle Caleb, when God calls Caleb, la sagesse dans la vie de Caleb lui fait confesser différemment que les 10 autres espions. The wisdom in his life makes him confess differently than the other quand spies. Quand les 10 autres espions confessaient une défaite certaine, when the 10 other spies confessed a certain defeat, Caleb confessait une victoire assurée. Caleb was confessing an assured. Donc Caleb, avec la sagesse que Dieu lui a donnée, savait que comme c'est Dieu qui les a envoyés, ils auront la victoire, même si les ennemis en face sont forts. Knew as God sent them, they'll be victorious, even if their enemies are strong. Deuxièmement, dans la sagesse que Caleb avait, secondly, in the wisdom Caleb was having, Dieu l'a appelé au même moment que Josué. God called him at the same moment than Joshua. Dieu l'a qualifié au même moment que Josué. God qualified him at the same moment than Joshua. Mais quand Moïse est mort, when Moses died, Dieu a mis Josué devant Caleb. God placed Joshua before Caleb. Aucune rancune, and no rancor, aucune jalousie, no jealousy, aucun orgueil n'est monté dans le cœur de Caleb. In the heart of Caleb. Faisons attention, Église. Let's be careful, church. Plusieurs sont en prison. Many are in prison. Parce qu'ils n'ont pas eu la sagesse de Caleb. Because they didn't have the wisdom of Caleb. Et au point où, parce qu'ils trouvent qu'ils connaissent l'économie, the point because they think they know economics, ils connaissent les finances, they know finances, ils connaissent plus que leur chef, they know more than their heads, c'est eux qui doivent occuper la place du chef. They must occupy the place of the head. Faisons attention, Église. Let's be careful, church. Je répète et j'insiste. I repeat and I insist. Quand Dieu t'amène dans la gloire, when God brings you in glory, dans la grandeur, in greatness, et que Dieu ait placé quelqu'un devant toi, you, que l'orgueil ne monte pas dans ton cœur au point où tu penses que tu peux arracher sa place. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui n'ont pas la sagesse et se sont retrouvés en prison. Mais la sagesse dans la vie de Caleb a reconnu que comme c'est Dieu qui a élevé Josué, recognize as God elevated Joshua, mieux je m'aligne. Better align up. De 40 ans à 85 ans, from 40 to 85 years, Caleb a attendu, Caleb waited, que ce soit Josué that Joshua qui l'élève, que ce soit Josué qui lui fasse du bien, que ce soit Josué qui lui donne ce dont il a besoin. Gives him what he needs. Et la Bible déclare, the Bible declares, après que Caleb ait fait ce discours, after Caleb said those Josué words, l'a béni. Joshua blessed. Imagine him. Aujourd'hui, imagine today, une personne à l'église, a person in the church, dès qu'elle sait qu'elle peut prophétiser, when she knows she can already prophesy, elle peut déjà prêcher, she can already preach, l'orgueil manque dans son cœur, pride increases in her heart, elle fait comme Corée d'Atam Abiram. She does like Korea, Tam Abiram. Et après, la malédiction s'ensuit. And after the curse follows, mais la sagesse dans la vie de Caleb, but the wisdom in Caleb's life, lui poussait à avoir confiance en Dieu. Pushed him to trust in le God. Poussait à avoir confiance en Dieu. Pushed him to trust in God. Lui imposait de se référer toujours à Dieu. Imposed him always to look at God. Et cette sagesse, and that wisdom, lui donnait la capacité à obéir à l'instruction de Dieu. Was giving ability to obey to God's instruction. Cette sagesse, that wisdom, lui donnait la capacité à persévérer. Gave him ability 45 ans sur place, 45 years on the il spot. S'attend à ce que Josué lui donne quelque chose. He expect for Joshua to give him something. Et Josué a fait semblant de l'oublier. And Joshua pretended to forget mais en fait, him. Dieu but God le poussait à persévérer. Pushed him to persevere. Écoute-moi, Église. Listen to me, quand church. Dieu te appelle, when God calls quand you, Dieu te bénit, when God bless quand you, Dieu t'élève when God lifts dans la gloire et dans la royauté, glory and royalty, et qu'il place quelqu'un devant toi, and he places somebody tu dois before attendre you, you must wait que cette personne person te fasse du bien. Amen. Tu dois davantage. More. Servir la personne, person, t'occuper de la personne, person, aimer la personne, person soutenir more, la personne, person et Dieu more, parlera au cœur de la personne. Person. Même si tu as déjà l'argent plus que la personne, même person, si tu sais parler plus que la personne, you know même si tu as fréquenté plus que la personne, person, la sagesse voudrait que celui qui est devant toi, que tu you le you serves. Serve. Est-ce que tu sais que Élie, you know quand il appelait Élisée, on avait l'impression que Élisée devait avoir une vie paisible. When he called Elisha, it seemed as if Elisha was supposed to have a peaceful life. Quand Élie rencontre Élisée, when Elisha met il Elijah, jette son manteau sur Élisée. He poured the mantle upon et il dit à Élisée, suis-moi. He told him, come. Et Élisée lui dit, laisse-moi aller lui demander, dire au revoir à mes parents. Elisha said, give me permission to Élie say to my dit à Élisée que je viens de te faire du bien. Elijah told him, donc comme tu parles là, reviens. Come back. N'oublie pas le bien que je t'ai fait. Don't forget the good I've done donc to j'imagine you. Que Élisée voyait comment sa vie allait changer. Imagine Elisha was seeing how la gloire dans le ministère, la grandeur, la richesse. Quand Élisée est revenu, il a servi Élie pendant 20 ans. La Bible dit que Élisée lavait les mains d'Élie. Quand il lavait les mains, on a l'impression que c'était avant qu'il ne mange. Élisée lavait les mains d'Élie à tout
les positions. Elisha was washing the hands of Elijah. Quand Élie veut manger, c'est Élisée qui lave ses mains. Quand Élie va aux toilettes, et il revient, c'est Élisée qui lave ses mains. Pendant 20 ans, je commence à parler aux gens qui sont appelés au ministère. L'onction ne se transfère pas juste parce que tu as donné l'offrande. Anointing is not transferred only because you gave the offering. L'onction se transfère quand tu sers celui qui a l'onction. It is transferred when you serve he who has anointing. Josué a servi Moïse. Joshua served Moses. Dans la sagesse. In wisdom. Et Moïse lui a transféré l'onction. And Moses transferred him anointing. Caleb a servi Josué. Caleb served Joshua. Et Josué a béni Caleb. And Joshua blessed Caleb. Alors qu'ils avaient été appelés le même jour. Meanwhile, they were called the same ils day. Sont nés de nouveau le même jour. They were born again the same day. Et peut-être Caleb était le grand frère de Josué. Maybe Caleb was a big brother mais of Joshua, but Josué Joshua avait la grâce. Was having the grace. Avait le manteau. Was having the mantle. Avait le bâton. Was having the stick. Et ce n'est que lui qui pouvait bénir Caleb. And he alone could bless Caleb. Élie Elijah a été appelé sur Élisée. Has been called on Elijah. Et Élie a laissé Élisée le servir. Elijah allowed Elisha pendant to serve him. 20 ans. During 20 years. Laisse-moi te dire qu'il n'y avait pas que Élisée qui était fils de prophète de Élie. There was not only Elisha who was son of prophet Elijah. Les autres fils de prophète à côté d'Élie faisaient déjà les positionnements après Élie. Moi, je vais occuper tel poste. The other sons of prophets were thinking how the, about the position après of the Élie, moi, je vais prophétiser plus que lui. After Elijah, I will prophesy more pendant than ce temps, Élisée, lui, il le servait. During this time, Elisha was serving. Si him. Dieu te fait travailler à côté d'un président, if God makes you work next to a president, à côté d'un ministre, next to a minister, à côté d'un directeur, next to a director, derrière un homme de Dieu, behind a man of God, serre-le. Serve him. C'est la sagesse. It's amen. Wisdom. Le temps que tu passes à te plaindre, non, moi, on ne me sert pas bien. The time you spend to moi, on ne me yourself, paye pas bien. I'm not paid well. Moi, on ne me donne pas bien. I'm not given well. Le chef peut faire semblant. The head can pretend. Il peut faire exprès. He can do it de ne pas bien te donner. Not to give parce you qu'il well, veut tester because he wants to test ton service, your service, ta loyauté. Your loyalty. Fais attention, Église. Be careful, church. Dans la royauté, in royalty, on ne confie pas des responsabilités à quelqu'un we don't confer responsibility parce qu'il s'est bien habillé, because he dressed well, parce qu'il sait bien parler. Because he knows on how to confie speak des well, responsabilités but we'll give responsibility à quelqu'un de confiance to somebody who is qui nous a servi loyalement, who serve what is loyalty, fidèlement. Faithfully. Si Dieu place quelqu'un devant toi, if God places somebody before si ton you, élévation dépend de quelqu'un, if your elevation depends on somebody, serre cette personne. Serve that person. Occupe-toi de cette personne. Take care of that person. Sois fidèle à cette personne. Be faithful to that person. Sois loyal à cette personne. Be loyal to that person. Beaucoup de femmes aujourd'hui many women today sont choquées de voir are shocked to see leur mari faire confiance their husband trusting aux inconnus. Unknown people. Et elles disent, mais je suis quand même sa femme. And they say, I'm the wife est-ce que of tu man le sais? Do you serve ou bien him? C'est ton adversaire? Or is your adversary? Est-ce que tu le sais? Do you serve ou bien him? C'est ton concurrent? Or is your concurrent? Quand tu allais en mariage, you were going marriage, on t'a prévenu you were warned que tu vas te soumettre. That you submit maintenant yourself. Que tu as mariage, now you are married. Comme tu as fréquenté plus que ton mari, as you study more than your tu corriges ses fautes de français. You correct this manner of talking. Comme tu as l'argent plus que ton mari, as you have money more than your husband, tu lui rappelles qu'il est un paresseux. Remind him that he's lazy. Comme tu pries plus que ton mari, as you pray more than your tu husband, tu lui rappelles qu'il est charnel. Remind him that he's carnal. Comme toi, Dieu te parle, Dieu ne lui parle pas. As God talks to you and tu lui not, rappelles qu'il va aller en enfer. Remind him that you will go to mais hell. Tu es dans la malédiction. You're in the curse. Si Dieu te met derrière quelqu'un, blesses you behind c'est somebody, premièrement pour que tu serves la personne. It's first for you to serve the person. Et c'est dans le service que tu vas être béni. And in that service, you'll be blessed. Beaucoup de gens sont à l'église, ils se plaignent, ils viennent demander les prières. Many people in the church, they complain, they ask for prayers. Oh Seigneur, touche le cœur de mon mari oh, afin qu'il change. Touch the heart of my husband for him to oh, change. Oh Seigneur, touche le cœur de mon patron afin qu'il me donne. Touch the heart of my boss for him to touche give le cœur me de mon grand frère afin qu'il me fasse. Touch the heart of my big brother. Est-ce que tu le sais? Do you serve him? Ou bien tu te sers. Or do you use beaucoup him sont placés derrière les grands pour se servir et non pour servir les grands. Many are placed behind great men to use the great and not je to serve the great. Je suis en train de t'enseigner la sagesse. I am teaching you the wisdom. On reconnaît naturellement qui se sert auprès d'un grand et qui le sert. We naturally recognize who uses a great or who serves a great. Il suffit de voir ton comportement le jour où on coupe ta prime. You must look at your behavior the day when il y a des gens qui ont servi pendant 2 ans, on a coupé leur prime exprès pour voir s'ils étaient là pour les primes ou bien ils étaient là pour servir. Et dès qu'on coupe ta prime, tu commences à changer ta façon de travailler. You start changing your manner of working. Tu commences à changer ta façon d'obéir. You start changing your manner of tu commences obeying à changer ta façon de faire ce qu'on
ce à quoi on t'a appelé. Et on reconnaît que ce qui intéresse cette personne, ce n'était pas de servir, c'était de se servir. And they recognize that you were interested by using the person. Je suis là pour enseigner l'église sur la sagesse. I'm here to teach the church on the wisdom. C'est celui que Dieu a placé devant toi. Serve he God places before you. Fais du bien à ceux que Dieu a placé devant toi. Do good to those God placed before you. Même si cette personne ne reconnaît pas le Dieu qui t'a placé derrière la personne. The God who placed you behind the person. Le Dieu qui t'a appelé derrière la personne. The God who called you behind the person. Le même Dieu. The same God. Va te bénir au travers de la personne. Bless you through the person. Dieu t'a amené où? Where did God bring Dieu you? T'a appelé à quoi? What God has dans called la royauté, in royalty, on sait. We celui qui va être le premier he wants to be the first, parmi les autres among the others, doit être le serviteur. Must be the servant. Celui qui veut être le chef he wants to be the doit head, être l'esclave. Must be the slave. On a dans l'église the church, des gens qui aiment qu'on les sert. Who like to be served, des gens qui aiment qu'on leur donne. Who like to be given. Mais la Bible déclare declares, il y a plus de bonheur there is more blessing à donner to give. Qu'est-ce qui te fait le plus mal? What hurts you the most? Tu as demandé l'aide, on ne t'a pas donné. As for the help you were not moi, given. Dans l'église, si je cotise, c'est quand les gens ont deuil. In this church, I contribute when people have mais quand burial. Moi, j'ai eu deuil, on ne m'a pas donné, je quitte l'église. When I had burial, they didn't contribute, I en fait, leave tu the nous prouves que ton cœur n'était pas bon. You show us that your heart was not good. Si tu as donné, if you gave, toi ne t'a pas donné, and you were not given, tu es béni. You were blessed. C'est celui qui donne qui est béni. He who gives is he who is et n'oublie jamais. Never forget. Tu donnes aujourd'hui. You give today. Dans 5 ans, on va te donner. In 5 years, you'll be given. Même si ce n'est pas ici. Even if it's not tu donnes here. Aux enfants des gens. You give to the children dans 10 of ans, in 10 years, les enfants des autres the children of vont aussi te donner. Will give you tu ne peux pas donner you cannot sans give qu'on ne te donne. Without being tu ne peux pas servir serve sans qu'on ne te serve. Without being served. Apprends à servir. Learn how to serve. C'est une loi incontestable. It is an ceux qui servent law. Les autres avec bon cœur seront servis. Those who serve with good heart will be served. Ceux qui s'occupent des autres, those who take care of on s'occupera d'eux. Will be took, est-ce qu'on a trouvé ce verset? Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Amen. Je prends le verset. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être grand parmi vous. Whoever wants to become great among you. Mais entre vous. But between you. Si l'un de vous veut être important. If one of you wants to be important. Il doit être votre serviteur. He must be your servant. D'où vient-il qu'aujourd'hui dans nos familles? Where is coming the fact that today in our families, dans nos églises, in our churches, dans nos entreprises, in our enterprises, personne ne veut servir l'autre. Nobody wants to serve others. Est-ce que tu sais que quand ton nom c'est pour servir les usagers? You know when you are appointed to serve people. C'est pas pour te servir dans les caisses. It is not to embezzle. C'est pour servir d'abord. But to serve first. Après il y a l'article 2. After there is the article 2. Aujourd'hui quand on ton nom, qu'est-ce qu'on fait? When you are appointed today, what on do we celebrate? On fait l'article 2. The article 2. Et on oublie les responsabilités de l'article 1. We forgot the responsibilities of the article c'est un signe que tu vas échouer dans la royauté. It's a sign you fail in royalty. Beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent plus servir. Many children of God no more want to serve. Et ils sont prêts à quitter. And they are ready to abandonner. To give up. Quand on n'a pas fait ce qu'ils veulent. When they didn't want ton they rôle want. C'est de servir. The role is to serve. Et dans le système du royaume. And in the system of the kingdom. C'est contraire. It is contrary au système du diable. To the system of the devil. Le diable. To the devil. Le plus puissant. The most powerful. Est celui qu'on sert. Is he who serves. Dans le royaume de Dieu. The kingdom of le God, plus puissant. The most powerful. Est celui qui sert. Is he who serves. Quand tu viens t'asseoir sur la chaise là, est-ce que tu sais que c'est quelqu'un qui a mis ça? When you come to sit down upon the chair, do you know that somebody's owner? Est-ce que tu sais que c'est quelqu'un qui a payé ça? Do you know that somebody paid that? Celui qui a payé la chaise te sert. He who paid that chair serves you. Quand tu te connectes sur le direct. When you connect on the live. C'est quelqu'un qui a payé la connexion. Somebody paid connection. Celui qui a payé la connexion te sert. He who paid connection serves you. Quand tu m'écoutes prêcher avec ce micro. When you watch me preaching with this microphone. C'est quelqu'un qui a payé ce micro. It is somebody who paid this celui microphone. Celui qui a payé ce micro te sert. He who paid the microphone serves you. Est-ce que tu te poses la question? Do you question yourself? Que dans le système du royaume des cieux. In the system of the kingdom. Les of rois the king servent les autres. Serve the others. La Bible dit que Salomon dans sa royauté. Solomon in his royalty a donné 3000 sentences. Gave 3000 punitions. Donc Salomon n'est pas devenu roi pour se servir, il est devenu roi pour servir les gens. Solomon became king to serve people, not to use people. Mais beaucoup d'enfants de Dieu lorsqu'ils prient Seigneur, je veux l'argent. Many children of God when they pray Lord, I want est-ce que money? Tu sais que l'argent que Dieu va te donner c'est pour servir les gens? You know the money God will give you will be to serve people. Est-ce que tu sais que la santé que Dieu te donne c'est pour servir les gens? Or the help God gives you to serve people. Est-ce que tu sais que l'onction que Dieu te donne c'est pour servir or les gens? Or the anointing God gives you to serve people. Donc, beaucoup de personnes ne réalisent pas. Many people don't realize. Que lorsque tu reçois l'onction de guérison, when you receive anointing l'onction de miracle, l'onction prophétique, c'est pour servir les gens. It's to serve people.
Donc beaucoup d'enfants de Dieu sont à l'église, aiment se plaindre, aiment se lamenter parce qu'ils ne veulent pas servir. Caleb a servi Josué pendant 45 ans alors que Josué était son frère spirituel. Continue dans Matthieu. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. Là, ce n'est plus au niveau de service, c'est l'esclavage. C'est l'esclavage. It is a slavery. Quand tu regardes un footballeur, when you look at a football player, tu es à la maison, in your house, et tu lui dis, tire. You watch a football player say, dribble, shoot. Arrête. Il est ton esclave, non? He's your slave. Tu donnes les ordres étant à la télé. You give all the. Ou bien quand tu vas au stade. Or when you go to the stadium. Mouillé. On est-il pour le penalty comme ça? Enfin, il a marqué. Tu as eu la chance, ça aurait été fait ici. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Même inconsciemment, tu fais de lui ton esclave. Mais à la fin du match, at the end of the match, qui a l'argent plus que l'autre? Who has money more than the other? Qui a la gloire plus que l'autre? Who has glory more than the other? Celui qui était esclave sur le, qui était ton esclave étant sur le terrain. He was a slave being on the stadium. Maintenant tu cherches à lui à ce qu'il te signe les autographes. Now you want him to sign your. Dans le royaume des cieux. In the kingdom of heaven. Celui qui sert les autres est grand. He who serves the others is great. Celui qui se préoccupe de la réussite des autres est puissant. He who worries of the success of others is powerful. Celui qui se sacrifie plus que les autres s'en sortent sera le plus élevé. He who sacrifices more than the other will be the most c'est elevated. C'est un mauvais calcul. It's a bad que de venir à l'église, to come to the que de servir le Seigneur Lord, pour se faire voir, pour qu'on parle de toi, pour qu'on te donne you, les points, qu'on fasse tes éloges. C'est un mauvais calcul. Le seul fait que tu serves bien, naturellement, automatiquement, les gens te feront des éloges. Les gens vont te célébrer pour ton bon service. Et quand tu sers, when you serve, tu dois servir avec persévérance. You must serve in perseverance. Beaucoup d'enfants de Dieu many children of God sont prompts à abandonner. Ready to give up. 24 mois de prière. 24 months of prayer. 24 mois de service. 24 months of service. Tu as abandonné. You already gave up. Oh, tout à l'heure, je regardais un message de 2017. I was just watching a message of 2017. J'ai vu les visages. I saw faces. I wonder. L'église est bizarre. Oh. Church is strange. Façon les gens étaient engagés. The way they were committed. Ils ont abandonné la foi. They abandoned your faith. J'imagine qu'il y en a ici. I imagine there are some here. Dans quelques mois. In some months. Ils vont abandonner la foi. They will abandon your faith. Quand tu t'engages à servir Dieu. When you commit yourself to serve God. C'est à vie. It's for life. Mais l'œuvre de Dieu de maintenant. But the work of God of nowadays. On sert un peu. We serve a bit. On abandonne. After we abandon. On sert un peu. We serve a bit. On laisse tomber. After we give up. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Je suis en train de parler de la sagesse. Talking about the wisdom. Je parle de la persévérance. Perseverance. Je parle de la patience. Patience. Je parle d'avoir l'assurance. To have assurance. Je parle d'avoir confiance en Dieu. And to trust in God. À partir du verset 1. Il est écrit. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Paul est en train de quitter, de finir son ministère. Paul is ending his ministry. Et il est obligé de communiquer une certaine sagesse à son fils Timothée. He's obliged to communicate a certain wisdom to his son Timothée. Et il dit à Timothée, cherche à devenir toujours plus fort grâce à l'amour du Christ Jésus. Dans ta persévérance, in your perseverance, sois fort. Be strong. Amen. Je vous ai dit et j'insiste. I told you and I insist. Les combats, battles, les épreuves, tests, les persécutions, persécutions que vous avez maintenant that you have now, sont en fonction du niveau dans lequel vous êtes maintenant. Depend on the level in which you are now. Si tu montes, if you climb, plus de combats, more battles, plus d'ennemis, more enemies, plus coriaces, stronger, plus nerveux, more nervous, plus méchants. More wicked. Et pour affronter des ennemis plus méchants, and to face those enemies, il faut qu'au préalable que tu deviennes plus fort. You must become stronger first. Alors c'est une perte de temps que de pleurer si les combats deviennent durs. It's a waste of time than to cry if the battles become hard. Si tu sors de la poussière pour la royauté, if you come out from the dust for your royalty, les ennemis de la poussière. The enemies of the dust ne sont pas plus nerveux que les ennemis de la grandeur. Are not more nervous than the enemies of greatness.
Les ennemis de la poussière the enemies of the dirt ne sont pas plus nerveux que les ennemis de la royauté. Are not more nervous than the enemies of royalty. Lorsque tu pries, so when you pray, Seigneur, je veux ma royauté. Lord, I want my royalty. Je veux ma gloire. I want my glory. Je veux ma grandeur. I want my greatness. Je veux devenir. I want to je become. Veux obtenir. I want to obtain. Tu es en train de dire en d'autres termes, you're saying in other words, je suis prêt I'm ready à affronter to face les ennemis the enemies de ma gloire. Of my glory. Les ennemis the enemies de la nomination. Of that nomination. Les ennemis the enemies de mon élévation. Of my elevation. Quand Dieu va t'élever, when God will lift ne pleure pas. Don't cry. Sois seulement just fort. Strong. Amen. Quand tu vas commencer à sortir à la télé, when you start being watched on ne TV, pleure pas. Don't cry. Sois fort. Be strong. Amen. Quand ton mari va commencer à te faire les voyages, when your husband will start traveling, on te voit à l'aéroport chaque jour. Every day you are at the airport. Il y a des attaques. There are attacks. Qui vont arriver. That will come. Ne pleure pas. Don't cry. Sois forte. Be strong. Amen. C'est facile de dire moi. It's easy to see j'ai une étoile. I have a star, j'ai une grâce. I have a grace, Dieu m'a béni. God has blessed je suis. I am, je serai. I will be, en d'autres termes, in other words, si tu seras, if you will be, sois aussi fort. Also be amen. Strong. Quand tu viens à l'église, when you come to on vient the church, te préparer come to prepare pour le niveau où Dieu t'amène. For the level where God brings c'est pour ça qu'il a dit à Josué, that's why he told Joshua, fortifie-toi, strengthen yourself, prends courage. And be courageous. Timothée, Timothée, sois fort. Be strong. Sois fort. Be strong. Sois fort. Be strong. Tu pleures quoi? Why do you cry? Non, on m'a insulté. No, I was insulted. Non, on m'a mis un truc, j'ai traversé, mon pied a commencé à gonfler. I crossed something and my foot. Tu ne savais pas que là-bas dans le bureau, le cabinet du ministre, on mettait les trucs à l'entrée. Didn't you know that in the cabinet of the minister, they put ma fille, friends, my daughter, sois forte. Be strong. Amen. Tu ne savais pas que les gens qui étaient dans le secrétariat du directeur, didn't you know that those were in the secretary la plupart avaient chacun son fétiche. Most of them were having their fetish. Tu es parti au milieu là, naïf. You went in their midst simple. Et maintenant ton ventre gonfle pour rien. And now you have a big belly. Tu n'as plus l'appétit. You no more have appetite. Tu maigris pour rien. You grow thin. Tu n'as pas le sang. You don't have a blood. Tout ce qu'on peut te dire, all we can tell you, mon fils, my son, ma fille, my daughter, sois fort. Be strong. Je l'ai dit au premier que je le répète encore. I said it in the first service, I dans la gloire, in the glory, dans la richesse, in the riches, là où il y a le pouvoir, there is a power, dans l'onction, in the anointing, il y a la guerre. There is a war. Dans la pauvreté, in poverty, c'est les intrigues. Intrigues. C'est le Congo ça. Gossip. C'est les petites jalousies. Small jealousy. Là où il y a l'argent. Where there is money, là il y a le pouvoir, where there is a power, là il y a l'onction, where anointing c'est la sorcellerie. It's witchcraft. On mange les gens, people are on eating, tue les gens, people are c'est le poison. It is a poison. On empoisonne, people are tu meurs, you die, on t'enterre. Bury. Donc, si le petit Congossa de la pauvreté t'effraie, if the small gossip of poverty scares que feras-tu face au poison de la gloire? What will you do face to the poison of glory? Si les petites intrigues du sous-quartier t'effraient, if the small intrigues of your neighborhood scares que feras-tu quand on va te lancer la guerre? What will you do when they will make war? On va mener ton nom chez un féticheur Benin. They will bring your name to Benin to a fetishist. Si le Congossa t'effraie, if the gossiping scares si you, les petits faux rêves, les petits cauchemars t'effraient, if nightmares scare you, quand ton nom sera allé dans le vaudou, when your name will be involved in tu vas faire comment? How will you do? S'il y avait les piétons, tu te fatigues. Pedestrian, you grow quand tired. Les gens qui sont sur les chars vont t'attaquer, tu vas faire comment? When people who are on chariot will attack you, how will you do? Beaucoup d'enfants de Dieu. Many children of God. Vous êtes des naïfs. You are naive. Vous pleurez. You cry. Face aux petites guerres du quartier. Face to the little wars of your neighbor. La voisine s'est plainte qu'on a enlevé sa serviette sur la corde. The neighbor complains about your behavior. Voilà les guerres pour lesquelles vous venez à l'église. There are the wars for which you come to the church. Oh, mon fils a cassé le verre du voisin avec le ballon, le panneau. My son broke the glass of the neighbor. With et his mon, le voisin a tapé mon fils, j'ai pas porté plainte. And the neighbor beat my son. Le verre coûte 125. It is 125. Les guerres que vous faites au quartier, c'est pour le verre, le plat qu'on a cassé coûte 200. You fight for the dish, for the glass in your neighborhood. Et tu dépenses l'énergie. And you expend your energy. Parce que le voisin, le fils du voisin, vient s'asseoir sur tes chaises, il a sali tes chaises. Because the son of your neighbor came to dirty your chairs. Et tu, on doit prier contre ça. And we must pray against that. Le chat du voisin a traversé, il a venu manger ma viande. The cat of the neighbor came to eat your meat. Elle voit les combats des gens à l'église. There are the battles of people in et the pour church. Ça, on doit mobiliser tous les pasteurs. And for that, we must gather all the pastors. Mon ami, my friend, prépare-toi pour les vraies guerres. Pay yourself for the real war. Il y a des gens qui m'écrivent, une soeur qui m'écrivait, elle me racontait les rêves. A sister recounted me her dreams. Elle a répondu que écris à ton pasteur.
I just told her to write to Qu'est-ce her que pastor. J'ai à foutre avec tes rêves? What do I have to do with your dreams? Quand tu m'écris, rassure-toi que tu as un vrai problème. When you write me, make sure you have a real problem. Elle me dit rêve numéro 1, rêve numéro 2. Elle m'envoie les voices. She sent the voice notes. J'ai dit, mais ça, c'est bien ton passé qui t'a mal renseigné. Si tu dois m'écrire, tu dois te rassurer que c'est un problème grave. Mm. Moi, je ne réponds pas aux rêves. Si tu as un problème de 50 millions bloqués, tu m'écris à 2 heures, je réponds. Even if it is at 2 a.m., I will voilà un vrai problème. That's a real problem. C'est pas que j'ai rêvé, ma grand-mère me poursuivait avec la casserole. Was pursuing me. Là même le serviteur, va voir, je sais pas, cherche un frère à l'église qui va t'aider à aller les prières. Il a dit, si tu poussais vers la casserole, prends le couvert de la mamie, tu la poussais aussi avec. On qui dirait les problèmes. Mm. Écoute-moi bien. Listen to me. Dans la gloire, the glory, dans la grandeur, the greatness, il faut concentrer ton énergie. You must gather your energy pour plus de force, for more strength, plus de courage. And courage. Amen. Et pour ça, and for that, tu ne dois pas gaspiller l'énergie pour les faux problèmes. You must not waste your energy for fake problems. Quand je vois des gens qui veulent se distraire, when I see people want to distract themselves, ils passent leur journée à se distraire. They spend their day to distract themselves. Je ris. I laugh. Toutes mes prophéties ne vous concernent pas. All my prophecies don't concern you. La gloire et la grandeur, glory and greatness, c'est pour des gens décisifs. Are for those who make decisions. Des personnes concentrées. People who are concentrated. Des personnes déterminées. People who are determined. Yes. Qui ne sont pas prêts à lâcher, we are not ready to give quelle qu'en soit l'intimidation, no matter the intimidation, le projet du diable, the plan of the devil, ils regardent vers l'objectif. They look at the objective. David était en brousse. David was in the brush. Il sort de la brousse pour quelques minutes. Out of the brush for some minutes. On lui dit va donner la nourriture à tes frères. Tu rentres en brousse. He sought to give food to his brother and c'était un autre. It was an other. Mais il a trouvé un échappatoire. But he found a way avant to de rentrer en brousse. Before going back il a croisé une opportunité. He met an opportunity. L'opportunité s'appelle Goliath. The opportunity is called Goliath. Il avait besoin de deux choses. He needed two things. La force strength et le courage. And courage. Et la force et le courage de David lui a fait ne plus rentrer en brousse. Strength and courage of David made him no longer to return to the bush. Mais toi, but you, la distraction, distraction, les faux commentaires, fake comments, les fausses intrigues, fake intrigues, et tu espères que Dieu te fasse monter. And you hope God will make you climb. Il dit à Timothée, he told Timothy, deviens toujours plus fort. Après, il dit à Timothée une autre sagesse. Ce que tu as reçu de moi, what you received from ce me, que tu as entendu venant de moi, what you heard coming from me, confie-le à des gens sûrs. Confide to those who are trustworthy. Quand Dieu t'élève, when God lifts you up, rassure-toi que tu es entouré de gens sûrs. Make sure that you are surrounded by trustworthy people. Quand Dieu élève quelqu'un devant toi, when God lifts up somebody, rassure-toi que you, tu es une de ces personnes sûres. Make sure that you are trustworthy. Aucune royauté, no royalty, aucun empire, no empire, aucun système, no system, ne peut demeurer, can dwell, si celui qui est élevé n'est entouré de personnes sûres. On a dans l'église des gens qui sont contents avec toi aujourd'hui, demain ils changent. Je te donne un conseil. Quand Dieu va t'élever, les gens qui changent en fonction de du climat, en fonction de s'il a plu ou s'il fait soleil, en fonction de s'ils ont eu leur salaire ou bien le salaire n'est pas passé, en fonction de si tu as répondu à leur message ou pas, ne leur confie rien. Ne laisse pas à côté de toi. Leave them by your sinon, otherwise, tu vas échouer dans ta royauté. Your royalty. Dis-moi ce verset. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, yes, confie-le à des hommes fidèles. Confie-le à des gens fidèles. Qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et de manière répétée, de manière consécutive, par récurrence, on pourra perpétuer, on pourra rendre durable ce qu'on a mis sur pied. Beaucoup d'enfants de Dieu, many children of God, beaucoup de serviteurs de Dieu, many servants of God, échouent fail, parce qu'ils sont entourés de gens, because they are surrounded mais by pas people, de gens sûrs. But not by those who are trustworthy. Aujourd'hui, on est content. Today we are happy. Demain, c'est la guerre. Tomorrow it is war. Aujourd'hui, on est content d'être chapelle de la grâce. Today we are proud to be chapelle demain, de la c'est grâce. Le sabotage. Tomorrow is slander. Demain, ce sont les intrigues. Tomorrow we intrigue. Les gens ne sont plus sûrs. People are no more trustworthy. Continue, on va lire rapidement. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Prends ta part de souffrance
Prends ta part de souffrance. Enjoy your sufferings. Écoute-moi bien. Listen to me. Il y a une souffrance. There is a suffering. Il y a un problème spirituel. Linked to the spiritual problems. Aux envoûtements. To bewitchment. Au blocage. To the blockages. Aux liens de famille. To the bonds of family. Aux hôtels de sorcellerie. The altars of witchcraft. Ce genre de souffrance. This kind of suffering. On doit détruire ça. We must destroy. Mais il y a une autre souffrance. There is another suffering. Lié au projet. Linked to the project. Lié à l'affaire. Linked to the à la business, royauté. To royalty. Dans laquelle nous entrons. In which we enter. Tu ne peux pas monter. You cannot si tu ne souffres pas pour monter. If you don't suffer to tu climb, ne peux pas devenir you cannot become. Si tu n'acceptes pas de souffrir pour devenir suffer, arrête become, de rêver stop dreaming, ce que Dieu t'a dit what God told ce qu'il t'a prédit what he predicted, ce qu'il a prophétisé what he prophesied, si tu ne souffres pas if you don't suffer, tu n'auras pas you will not have. Une église comme celle-ci, like si nous voulons atteindre un niveau, level, on doit souffrir. We must suffer. Si tu veux que ta famille devienne un empire, to be an empire, vous devez souffrir. You must suffer. Si tu veux que ton ministère ministry, soit fort, to be strong, ton entreprise your enterprise, soit dure, tu dois souffrir. You must suffer. Tu veux te marier pour fuir la galère, you want to get married to leave misery? Tu vas souffrir autrement. You must suffer from another way. Tu veux partir en Bengue pour fuir la galère. You want to travel abroad, tu vas souffrir autrement. You will suffer from je dis et je répète. I tout ce qu'on obtient all what we get, de manière durable. For a durable manner, tout ce qu'on obtient all what we get, de manière durable. From a durable manner, tout ce qu'on obtient all what we get, de manière durable. From a durable manner, on doit souffrir pour l'avoir. We must suffer to have tout ce qui est beau all what is good, qui vient de Dieu coming from on God, doit souffrir pour l'avoir. We must suffer to la have Bible it. Dit que the Bible says, Dieu Jésus God Jesus veut racheter son monde. Wants to redeem his il a word. Souffert pendant 33 ans. He suffered during 33 years. Il commence par naître he was born au first, milieu des chèvres. The midst of sheep. Quand il grandit as he's growing, Hérode le poursuit. He will pursue il fuit en Égypte. He flees to Egypt. Il revient de l'Égypte quand Hérode meurt. Once returning from Egypt, on commence à le trimballer dans les synagogues. He's now in the synagogues. Il écoute des docteurs de la loi qui ne connaissent pas la parole comme lui. He listens to the doctors of the law who don't know the word like him. N'importe qui l'insulte, on le traite de fils de charpentier. Any type of person insult him, son of carpenter. Il n'avait même pas où poser la tête. He didn't have a place where Jésus to sleep. Jésus dormait dans les maisons des gens. He was sleeping in the houses of en people. En fait, c'était sa part de souffrance. That was his own suffering. Et après les 30 ans, and after the 30 years, il commence le ministère. He starts a ministry. 3 ans encore de souffrance. 3 years of suffering again. Il ne marchait pas à pied sur le mur, il ne marchait pas, il n'avait pas de voiture. He was having no car. Si ce n'est pas l'ânesse qui le porte, or the donkey, il marche à pied. Et quand il arrive quelque part, on veut le tuer, il fuit. When he arrives somewhere, he wants to be killed. 3 ans de ministère de souffrance. 3 years of ministry of pour récupérer ce qui lui appartient. To recover what belongs to Philippiens chapitre 2 dit. Philippians chapter 2 says. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Having you the same feelings that were in Jesus. Lequel existant sous forme de Dieu. Existing as God. N'a pas regardé à être égal à Dieu. Didn't look as il a accepté equal souffrir. To God. He accepted to en suffer. Acceptant souffrir, by accepting il to s'est suffer, dépouillé lui-même. Devenu serviteur. Il s'est humilié. On l'a himself. Insulté. He was insulted. On l'a flagellé. He was weak. Il a souffert. He suffered. Pour ce qu'il voulait avoir. For what he wanted to je have. Répète. I repeat. Je ne mélange pas la souffrance des démons. I don't mix the sufferings of à la souffrance demons de la gloire. To the sufferings of aucun glory. Homme d'affaires ne te dira. A businessman will tell qu'il a un sommeil paisible. That his sleep is quiet. Aucun millionnaire ne te dira. A billionaire will tell qu'il dort 10 heures de sommeil par jour. That his sleep for tous ceux qui ont. All those who tous have, ceux qui sont dans la royauté. Ont souffert pour avoir ce qu'ils ont et souffrent pour garder ce qu'ils ont. Je suis venu te décourager. Toi qui espères qu'une prière va faire tomber la malle d'argent du ciel, une prière va te donner l'entreprise, une prière va te donner le prince charmant. Tu rêves. Je ne savais pas que les hommes qui avaient l'argent étaient comme ça. Cherche celui qui est pauvre. Je ne savais pas que les blancs étaient comme ça. I didn't know what men were like. Cherche this. Le nègre. Seek the black man. Je ne savais pas que les milliardaires étaient comme ça. I didn't know billionaires were like cherche this. Celui qui est chômeur. Seek who is unemployed. Sache que tout ce que tu veux, know that all what you tu want, dois souffrir. You must suffer to et tout have. Ce que tu as sans souffrir, and all what you have without te fera suffering souffrir. Will make you suffer. Quelqu'un m'a dit un jour. Somebody told me one day. Moi, je n'ai pas à chercher. I didn't see. C'est lui qui est venu me draguer. He's the one who came to me. Maintenant, je dois prier pourquoi? Now why must I pray? Si c'est quelqu'un qui est dans la gloire, if somebody was tu n'as même in glory, pas encore prié. You have not yet prayed. Si c'est une affaire de richesse, if it's a matter tu of n'as riches, même pas encore prié. You have not yet prayed. Si c'est un pauvre, if he's a poor, ton camarade étudiant comme toi, your classmate student like you, c'est lui qui va prier encore pour que toi tu ne partes pas. He's the one that will pray for you not to leave him. Il prie pour que tu réussisses tes examens. He prays for you to succeed il prie pour exams, que tu parles pas mal à ta mère. For you not to mouth for your il mother. Prie que pour que tu lui donnes les codes de ton téléphone. He prays for him to give him the codes il of your phone. Il prie pour que tu écrives bonjour le matin. To greet him in the morning. Mais si c'est un riche. But if it's a rich ma man, soeur, my sister, tu vas prier. He'll pray.
Tout ce qui a de la valeur. All what has value. Si tu ne souffres pas pour avoir. If you don't suffer to have ça va te faire souffrir. It will make you suffer. Parce que pour que lui devienne, il a souffert. Because for he to become, he suffered. Pour qu'il obtienne, il a souffert. For he to obtain, he suffered. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent à la télé. Yeah, many people watch me on TV. Oh, je vais venir me connecter à son ministère. I'll come to connect myself to his ministry. Il vient. Je suis pasteur, je suis prophète, je suis. I am minister. Dieu m'a dit que tu es mon père. God told me you are my father. Je dis seulement dans mon cœur que tu es sûr. I just say my head that you're sure. Tu vas arriver. Where will you go? Moi, je suis méchant. I'm wicked. Eh? Tous les gars là sont enfui. All those men fled. Tous les gars qui m'ont dit que je suis leur père ont fui. All those who told me I'm their father fled. Parce que je le mets d'abord à l'épreuve pendant un mois, je ne le salue même pas. Because I test him during 1 month without greeting. Il vient à l'église, il reçoit les cultes, il ressort. He comes to the church, he listens to the church service. Je ne le salue pas. I don't greet him. Après, il se décourage. After discourages himself. C'était quoi son problème? What was his problem? La convoitise. Covetousness. Beaucoup de jeunes hommes de Dieu, many young men of God, quand ils voient quelqu'un qui brille, when they see somebody who oh, shines, le prophète a une grande église, oh, the prophet has a great church. Je l'ai vu en vision, Dieu m'a dit qu'il est mon père, je ne vais pas me soumettre. In my vision, God told me he's my father, God to submit myself. Si tu vas te soumettre parce que tu veux devenir comme lui, if you submit yourself because you want to become like him, sache que tu te rends disponible à passer par les mêmes problèmes que lui, know that you will go through the same problems like him, les mêmes attaques que lui, the same attacks like him, les mêmes oppressions que lui, the same oppressions, les mêmes insultes que lui, the same insults like les him, les mêmes complots. The same plot. Mais dans la convoitise, on ne pense pas au négatif, on voit seulement comment il y a la gloire. In covetousness, we just see the glory, not the negative. On voit seulement comment il y a les voyages. We just see the journey. On voit seulement comment il y a les prophéties. We just see the prophecy. On voit seulement comment il y a l'argent. We just look at the money. Paul dit à Timothée. Paul said to Timothy. Sois prêt à souffrir comme un soldat de Christ. Be ready to suffer as a soldier of Christ. Je te parle de la sagesse. I talk about the wisdom. Là où il y a la gloire. Where the glory is. Si ça t'appartient. If it belongs si tu dois to participer you, à cette gloire. If you must partake sois prêt that à souffrir pour cette gloire. Be ready to suffer for that là où il y a la richesse. Where riches is. Si tu as ta part dedans. If you have your sois prêt à souffrir pour cette richesse. Be ready to suffer for là où il y a l'onction. Si tu as ta part dedans. If your sois prêt à souffrir pour cette onction. Sinon, ça va te faire souffrir. Ça va te faire souffrir. It will make you suffer. Continue. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Un sportif ne peut gagner le prix que s'il joue selon les règles. An athlete can get the prize only if he plays according to the rules. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut travailler. You must work. Hey, c'est quoi cette histoire? On prie, l'argent doit venir demain. What's this story? You pray, money must come tomorrow. On prie, le travail doit venir demain. We pray and the job must come tomorrow. Ça nous sort même doué. Where is it coming that? Après on dit, je ne comprends pas, on l'a prophétisé, mais ça n'a pas donné. Si tu as mis une entreprise sur pied, if you created a company, souffle pour ton entreprise. Suffer for your company. Quand notre géniteur construisait sa maison, when our janitor was building his house, il nous faisait aller faire les parpaings. We were building. Il nous faisait aller tourner le ciment. We were turning cement. Et quand sa femme lui posait la question, pourquoi tu fais souffrir mes enfants? Why is he asking the question? Why do you make my children suffer? Il a dit à sa femme que. He asked her. He told si her. S'il ne souffre pas pour cette maison, quand il va mourir, ils vont la vendre. If they don't suffer for this, when I die, they will sell it. Donc comme je l'ai fait souffrir là. As I made them suffer. Ils vont pas jouer avec. They will not play with. Et ce qui est vrai, c'est que même avant sa mort, on lui a dit que. Even before the death. Comment on a souffert pour la maison si. As we suffered for this house. Même toi-même. Even you. Ne joue pas avec. Don't play with that. Quand tu as souffert pour quelque chose, when you have suffered for something, tu joues pas avec. You don't play with that. Et quand tu as souffert pour quelque chose, and when you have suffered for something, ne confie pas la chose à quelqu'un qui n'a pas souffert pour la chose. Don't confide the thing for somebody who didn't suffer for the thing. Vous voyez comment on souffre là, non? Do you see as you are suffering? Quelqu'un va arriver demain. Somebody will come here tomorrow. On va lui confier les choses. We'll confide him things. Même si je ne suis pas là. Even if I'm not there. Tu le tapes d'abord. Beat him. Hey, pour qu'on soit là. For us to be there. Il y a des gens qui souffrent. Some people suffer. Et les gens qui payent le prix. Some people pay the price. Les gens qui s'investissent. Some people invest themselves. Ne laisse pas n'importe qui. Don't allow any type of person. Fais le désordre dans ce pourquoi tu as souffert. To bring disorder in what you have suffered for. Fais le désordre dans ce dans quoi tu as souffert. To do disorder in what you have suffered sauf for. Sauf si tu es insensé. Except if you are fool. Tu as sémé. You sow. Je disais au premier culte qu'il y a des gens. Oh, seeing in the first service, you have people. Tu es arrivé à l'église. Came to the church. Te voilà qui hôtesse. You are hôtesse. Te voilà, voilà une soeur, elle a la caméra debout tous les deux cultes. A sister has the camera during all the two services. Tous les deux cultes, elle a la caméra, une femme. A woman. Après, tu vas entendre demain une hôtesse qui vient d'arriver, va lui dire, gars, gifle-moi l'hôtesse là. Slap voilà. Her. Hey. Mm. Quand tu souffres pour quelque chose. When you suffer for something. Tu as le sang à l'œil. You're nervous.
Quand tu souffres pour quelque chose. When you suffer for something. Dit, moi, je dois pas. Pour l'église là. Toi tu viens jouer avec. You come to play with. Toi qui prends, tu racontes, tu prends, tu racontes. Quand je t'attrape. When I catch c'est pas you, le conseil. I will not give you c'est advice. Le coup de poing. I will beat you. Là, tu veux jouer avec ce pourquoi nous on souffre. So you want to play with what we are suffering for. Tu t'amuses avec. You play with that. Quand tu as pas souffert. When you have not suffered. Tu connais pas. You don't know. J'ai réalisé que la plupart des gens à qui on donne l'argent qui n'ont pas souffert pour l'argent méprisent l'argent là. I realize most of the people to whom we give money, we didn't suffer for that money, despise that money. Chers parents, si vous aimez vos enfants, dear parents, if you love your children, ce que vous avez souffert pour avoir, what you have suffered to have, ne permettez pas qu'ils gaspillent ça. Do not permit them to waste that. Vous êtes en train de les détruire. You are destroying them. Chers grands frères, dear big brothers, chers grandes sœurs, dear big sisters, quand tu as souffert pour avoir ta chose, when you have suffered to have your thing, n'envoie pas ça au pays n'importe comment parce que les gens vont se plaindre. Don't send it to your family anyhow because they will complain. Il y a une fille qui est en Suisse. Un jour, elle me dit, papa, je suis stressé. She told me that je crois que je vais faire un AVC. I think I will have je dis, c'est quoi le problème? Disease. Ma mère, je m'occupe de ma mère. I take care of my je m'occupe de ma soeur qui a sa fille. I take care of my mon frère vient d'enseigner une fille, il a aussi un autre enfant. My brother je m'occupe de tout le monde girl. Là. I take care of je lui dis, tu sais quoi? Do you know what? Tu vas mourir d'AVC. He will die. Ton frère a enceinte une fille. Your son, your brother impregnated ça veut dire qu'il est un homme. Means he's a man. S'il est un homme, if he's a man, il va aller creuser le sable pour nourrir son enfant. To feed his child. Mais il y a les mamans ici. But your mother's here. Ton fils dit qu'il est un homme. Your son says he's already tu t'occupes de ton fils, take care of your son, de son enfant. His child. Et quand il sait que tu t'occupes de lui et de son enfant et de sa copine, as you know, you il va encore partir pour une autre copine. He will take another girlfriend. Tu vas encore t'occuper. And you will take care et c'est sur moi que tu vas amener ça avec ta... Avec ta avec, tu vas arriver à l'église avec la face attachée. You come to the church. C'est moi qui ai envoyé ton fils te traumatiser. Am I the one who sent your son to traumatize? C'est toi qui l'as mal éduqué. You are the one who did not educate him well. Beaucoup de vos enfants vous font la vie dure parce que vous leur avez montré le chemin de la facilité. Many of your children treated you because you showed them the way of facility. Nous nous éduquons dans la vie dure. We were educated in hard de work. De part et d'autre. T'es un milliardaire pour qu'ils te donnent l'argent des bords. Somebody tu dois justifier ça. Et avant de le rencontrer, tu dois faire une semaine de jeûne. Before meeting, you must fast during 1 week. Pour qu'il donne 50 000 à la fin du mois. For him to give 50,000 at the end tu dois prier et jeûner pour le convaincre. You must pray and fast to convince him. Et tu te rassures que les bords vont coûter 49 800. I will make sure not to give the exact price of the bull. Tu mens. You lie. Même pour mentir. Even to lie. Tu dois jongler. You must think. Mais aujourd'hui. But today. Envoie-moi un peu 50 000 là. Send me 50,000. Et si tu envoies 30 000. And if you send 30,000. Le merci de la personne c'est que c'est tout. Is it all? Et toi tu sais comment tu as fait pour avoir les 30 000. And you know how you suffered to have that money. Tu as travaillé. You worked. Tu as travaillé. You worked. Toutes les personnes à qui vous donnez là. All the persons to whom you give. Toutes les personnes que vous aidez all là. The persons that you help. Et vous ne leur montrez pas que la vie est dure. And you don't show them that life is hard. Vous allez faire des futurs sorciers. You make them the future wizards. Vous à qui on donne. You to whom we are given. Faites attention. You who are given, be careful. Dieu peut vous détruire parce que vous gaspillez. God can destroy you because you waste. C'est-à-dire que tu as 9 personnes qui te donnent. 9 people give ta you. Grande soeur te donne 15 000 à la fin du mois. Your big sister 50,000. Ton grand frère te donne 20 000 à la fin du mois. Your big brother 20,000. Ta mère te donne ta part de 5 000 à la fin du mois. Your mother 5,000 at the end of the month. Tes cousins. Your cousins. Tes oncles. Uncles. Tu te retrouves avec 120 000, 200 000 à la fin du mois. You have at least 200 000. Sans souffrir parce que tu as écrit le SMS. Without suffering because you sent a message. Maintenant, comme tu n'as pas souffert pour avoir. As you didn't suffer to have. Tu nous changes les mèches et les coiffures chaque semaine. You change your hairstyle every week. Paul dit à Timothée, Paul said to Timothy, accepte de souffrir. Accept to suffer. Église, church, si nous voulons régner, if we want to reign, on doit souffrir. We must suffer. Si nous voulons prospérer, if we want to prosper, on doit souffrir. We must suffer. Si nous voulons l'onction, if we want an on doit souffrir. We must suffer. Si nous voulons la richesse, if we want the riches, on doit souffrir. We must suffer. Tu as souffert pour avoir tes voitures. You suffer to have your cars. Quelqu'un vient te dire que donne-moi même une voiture là. Non. Somebody comes to tell you, give me one car. Donc, servez la main. Servez la main qu'on donne la voiture. So it's with the hand that we give the car. Toi, tu es en bain, tu connais comment tu sors sous le froid en plein hiver pour aller au travail. Bro, you know how you suffer to go to your work site. Et à la fin du mois, ta petite sœur t'exige. At the end of the month, your junior sister requires you. Si tu n'envoies pas à temps, if you don't send time, elle te boude pendant 2 semaines. She will not talk with you during 2 weeks. C'est vous qui gâtez vos familles. You are the one who spoil your families. C'est vous qui gâtez vos petits frères, vos enfants. You are the one who spoil your children. Les choses de la gloire, things of glory,
on souffre pour les avoir. We suffer to have them. Et quand on a obtenu quelque chose après la souffrance, and when we got something after suffering, on garde ça précieusement. We keep it preciously. Quand quelqu'un a souffert pour se marier, when somebody has suffered to get married, ne joue pas avec son foyer. Don't play with the home. Quelqu'un a souffert pour avoir son enfant, when somebody has suffered to have ne joue a child, pas avec son enfant. Don't play with quelqu'un a souffert pour avoir son concours, somebody suffered to have ne exam, joue pas avec son travail. Don't play with his job. Quelqu'un a souffert pour avoir son travail, somebody suffered to have ne joue job, pas avec son salaire. Don't play with his wage. Mais aujourd'hui, avec la facilité de la prophétie, today with facility of prophecy, reçois. Receive. Demain, ça vient. Tomorrow reçois. Comes, demain, ça vient. Tomorrow reçois. Comes, receive. On est comme si on était venu jouer ici. We are here to play. Mais quand tu pries, but when you pray, la Bible dit que Jésus a prié. Says la sueur est sortie comme le sang. A sweat appeared like the blood. Tu vas jouer avec sa création. And you play with his creation. Tu vas jouer avec son peuple. You play with his tu vas jouer avec son église. Play with his church. Il te tue. Kill you. Tu vois que Pierre a tué Ananias, pourquoi? Why do you think Peter killed Ananias? L'église que Jésus m'a donnée là. The church Jesus je connais me. Comment on m'insulte. I know how I'm comment insulted. Je souffre. How I suffer. Tu veux me jouer avec. And you come to play qui a tué with. Le gars. He killed. Il a tué sa femme. He killed his wife. Quand tu as l'étude. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Je souffre. Paul dit qu'il souffre jusqu'à ce qu'on le considère comme un brigand. Paul says that he's suffering even to be considered like a criminal. Il dit à son fils ne joue pas avec. He told his son not to play with. Quoi que l'évangile c'est le jeu. You think gospel is a game? On nous insulte partout. We are insulted everywhere. Hier je causais avec les passés ici dehors. Yesterday I was talking with the pastors out there. Une dame est passée dans un taxi ou une voiture. A lady was in a car. Quand elle m'a vu, elle a piaffé, paf. When she saw me, she became transfixed. J'ai seulement éclaté de dire que ah. Donc elle m'a vu, j'ai dit, elle a le dégoût. Imagine toutes les personnes, quand ils pensent à moi, ils ont le dégoût. C'est pour l'œuvre-ci qu'on souffre comme ça. Toi, tu vas venir jouer avec. Parce que tu es venu faire 2 ou 3 cultes. Maintenant, tu peux gâter l'église, après tu pars. Faut pas jouer. Faut pas jouer. Paul dit qu'il souffre jusqu'à ce qu'on le traite comme un malfaiteur. Paul says he suffers even to be treated like a criminal. Il dit à Timothée, ne joue pas avec l'œuvre que je te confie ici. He said to Timothy, don't play with the work I'm giving you. Quand parfois je regarde certains pasteurs ici, je veux les manger. When I look at times some pastors here, I want to eat them. Il me dit non, il faut te calmer, il faut te calmer. Vous pouvez pas comprendre. You cannot understand. Le niveau de souffrance. The level of suffering. Pour arriver à ce niveau. To reach this level. Et le niveau de souffrance. And the level of suffering. Dans lequel on s'engage pour changer de niveau. For which we committed to change our level. Quelqu'un venu jouer avec. To play with. Mes amis. My friends. La grandeur. The greatness. Rime avec souffrance. Rhythm with suffering. La royauté. Royalty. Rime avec souffrance. Rhymes with suffering. La richesse. Riches. Rime avec souffrance. Rhymes with suffering. N'êtes pas prêt à souffrir. If you are not ready to suffer. Il faut laisser. Live. Il faut laisser. Live. Pour lequel il relit le verset 9. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Ma version dit, à cause de cette bonne nouvelle, je souffre et je suis même attaché avec des chaînes comme un bandit. Je m'étais retrouvé à la brigade. Hey! Je ne peux pas te raconter l'épisode là, tu vas pleurer. Continue. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Je supporte! Tant que tu sais. When you know. Je te parle de la sagesse. I'm talking about the wisdom. Là où tu es là. Where you are. Ce que tu fais là. What you do. Ça va te rapporter. You will have ton diplôme. Your degree. Ce sont tes études. Your study. C'est ton avenir. Your future. Support. Enjoy. Il y a des enfants qui font les caprices à leurs parents. Some children do whims to their parents. Si elles savaient que l'école était due comme ça, je ne partais pas. Comme tu as payé, moi j'arrête. L'année prochaine, je change d'école. On a fini de payer 300 000. I finished paying 300,000. Tu changes encore d'école. Now you want to change. Tu abandonnes l'école au milieu de l'année. You abandon the school in the middle of the year. Et ta mère dit, hey mama, finis même quand même, non mama. Finish this year. Vous, on vous a éduqué la qualité que ta mère. Chez nous, c'était que le balai va te trouver là où tu es. Elle dit, on est encore en train de parler sur le balai, c'est la babouche. Donc le balai te prend au pied, la babouche à la tête, tu vas changer d'avis seul. Mais la génération de maintenant, the generation of nowadays, comme tu es l'homonyme de la grand-mère, as you're the namesake of the grandmother, on est mort. Dead. On te flatte pour aller à l'école. You're flattered to go to school. Alors que tu as un bac. Meanwhile, you have a GS 11. Et quand le jeune enfant vient à l'église, when this kind of child comes to the church, pour servir, on doit le flatter. To serve, he must be flattered. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ
avec la gloire éternelle. Mm-hmm. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous persévérons, if we persevere, la royauté sera notre partage. Royalty will be our portion. J'ai dit qu'il faut persévérer. I said that you must persevere. Dans ce à quoi Dieu nous a appelé. In what God called us to. Il faut persévérer. We have to persevere. Tout le monde célèbre le boxeur Francis là. Everybody celebrates the boxer. Mais allez écouter son histoire. Listen to his story. Il a persévéré. He persevered. Je parlais au premier culte de Michael Jordan. I was talking about Michael Jordan. Il dit que quand il était au collège, when he was in high school, un de ses professeurs le voyait jouer. One of his teachers saw et il lui a dit, tu es tellement nul que je déclare que tu ne vas jamais jouer au basket. You don't have talent and I declare we'll never quand play son basketball. Professeur lui a dit ça, when his teacher told him ça a résonné dans son tympan. Argued in his le lendemain, the next day, Jordan s'est levé à 4 heures Jordan woke up pendant que tout le monde dormait. While everybody was il asleep. A commencé à aller faire les paniers he started de 4 heures à 8 heures. From 4 a.m. to 8 a.m. Chaque jour que Dieu avait créé, every day God has created. Michael Jordan faisait sa part de basket seul au gymnase pendant 4 heures de temps. Michael Jordan was preparing himself at the gym during 4 hours. 4 heures de temps. 4 hours. Pour prouver à son professeur to show his teacher qu'il s'est trompé de personne. That he deceived himself. Il a souffert he suffered pour devenir ce qu'il est to devenu. Become who he became. Et aujourd'hui, and today, il est une légende. He's a legend. Si c'est dans les études que tu es, if you are in school, et que tu sais que par tes études, il va te bénir, and you know, we'll bless you, tu dois souffrir pour tes études. You must suffer for your si c'est dans le commerce, if it is in the business, si tu fais la politique, if you are doing si tu es dans le ministère, ministry, tu es dans les affaires, business, tu dois souffrir pour tes affaires. Sinon, tu laisses avec persévérance. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Si tu décides de faire le bien, good, parce que Dieu t'a dit que c'est en faisant le bien qu'il va te bénir, fais le bien sans te lasser. Même si les gens te trahissent, les gens sont ingrats, les gens sont méchants, persévère. Persévère dans ton bien. Toi, dès qu'on t'insulte un peu, tu abandonnes. Dès qu'on te méprise un peu, dès qu'on te menace un peu, dès qu'on t'intrigue un peu, on souhaite un peu ta mort, tu abandonnes. Persévère dans ce que tu fais. Aie le courage de ne pas abandonner. Not to give up. C'est dur. It's hard. Persévère. Persévère. C'est compliqué. Is it complicated? Persévère. Persévère. Hébreux 10, verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. C'est toujours Paul qui parle. Maintenant, il s'adresse aux Hébreux. Now Paul is talking to the Hebrews. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Pourquoi l'église est devenue comme ça? Why does the church on ne peut plus like souffrir. We know, on est dans une église, on part à l'église chaque jour. We're going to the church every day in the park. On marche à pied. We on part quand on a l'argent. We on fait les money. Offrandes, l'argent finit, on marche à pied, on rentre. We give offering on est content des choses de Dieu. La génération de maintenant. The generation of nowadays. Hey! Le culte commence à 15h au foyer Banjoun. The church service starts at 3 a.m. On arrive à 12h, 14h. We come and meet. On réserve les places. Le pasteur entre à 20h. The pastor enters at 8 p.m. On fait la modération de 15h à 20h. Moderation from 3 p.m. Le pasteur entre à 20h, il vous libère à 23h. The pastor releases you at 11 p.m. Tu marches à pied jusqu'à la cité, tu es heureux. You trek while you're returning home and you're happy. Tu es heureux you're happy de faire ça. To do that. Tu es content de revenir demain. You're proud to come back to the next day. C'était le Dieu de quoi qu'on cherchait où? What were we seeking? Mais la souffrance là but that suffering a payé. Paid. Si tu sais Dieu if you serve quand God, tu as le temps, when you have the time, c'est un problème. It's a problem. Si tu sais Dieu if you serve quand God, tu as l'argent, when you have money, tu es en danger. You're in danger. Si tu sais Dieu if you serve quand God, tu es content, when you are happy, be careful. Fais attention. Si tu n'as pas de service de Dieu, on service, c'est les flatteries. It's in flatteries. Ce que je vois à l'étranger, en Europe, là. What I see abroad. On veut parler à une soeur, soeur du groupe. You want to talk to a sister, she leaves the group. Merci parce que je ne suis pas chez vous là-bas. Église de Paris, je ne suis pas avec vous. Que Dieu vous bénisse. On ne peut pas te parler. Tu sors du groupe. On ne peut pas te parler. Tu ne perds plus ta dîme. On ne peut pas te... Elle dit qu'eux, ils sont tellement stars. Pasteur Christian, que Dieu te soutienne. Hey! Si on ne vous forme pas, if we don't train you, quand le démon va vous rencontrer en face, when you will see the demon il va bousiller vos vies. The demon will destroy your lives. C'est l'évangile de quoi qu'on vous a prêché là. What gospel were you nous, on était dans les églises, on te chasse de l'église, on dit sors. Tu dis je ne sors pas. Souvenez-vous, verset 33,
D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, mm-hmm. et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Vous avez accepté qu'on vous appauvrisse. You accepted to be impoverished. Pour cette œuvre-là. For this work. Ça, c'est les Hébreux. Hein? Paul leur fait une lettre pour leur dire au revoir. Paul writes them a letter to say goodbye. Il leur dit, pensez à votre souffrance. Think about your suffering. C'est pour cette église-là. It's for that church. C'est pour cette œuvre-là que vous avez souffert. For that work that you suffer. C'est pour ce Jésus-là. It's for that Jesus. Elle pense qu'il y a des pasteurs. And I think they ils ont souffert dans le ministère. They suffered in the ministry. Et que pour un lien comme ça, ils vont prendre le fétiche parce que on leur a dit que ça marche. For nothing they take the fetish. Tu as fini de souffrir comme ça pour aller prendre les fétiches. You finish suffer like this to take fetishes. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas. Do not abandon. Vous avez confiance en Dieu. You trust in God. Vous avez l'assurance qu'il vous bénira. You have assurance he will bless you. N'abandonnez pas cette assurance. Don't abandon that assurance. Beaucoup d'enfants de Dieu Many children of God sont assis à l'église, are seated in the church, mais ne croient plus en Dieu. But no more believe Et j'explique au premier culte, And I explained to you the first la Bible service. Dit que hors sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Without the faith, it is impossible to be pleasant to him. En d'autres termes, In other words, sans la foi, without the faith, devant Dieu, before God, tu sens mauvais. You have a bad odor. Devant Dieu, before God, tu pues. You smell bad. Donc tu es assis à l'église, you are seated in mais the comme church, tu n'as plus assurance de Dieu, as you no more have assurance tu n'as plus confiance God, en Dieu, you no more trust in God, Dieu, tu lui es désagréable. You are unpleasant. Mes amis, My friends, qu'on ne vous mente pas. Do not be deceived. Si vous ne croyez plus en Dieu, If you no longer believe in ne venez God, plus à l'église. No more come to the church. Si vous croyez que je vous mens, If you think I lie, ne venez plus à l'église. No more come to the church. Si vous croyez que je vous bluffe, If you think that's ne priez plus. No more play. Mais c'est quoi cette histoire où les gens prient? What's the story where people pray? Parce qu'on les a flattés. Because they were flattered. Les gens prient people pray parce qu'on leur a promis quelque chose. Because they were promised something. Ils n'abandonnaient pas votre assurance. Do not abandon your assurance. Reprends-moi ce verset, s'il te plaît. N'abandonnez donc pas votre assurance mm-hmm. à laquelle est attachée une grande rémunération. Ma version dit, alors ne perdez pas votre confiance. Mm. Grâce à elle, vous recevrez une grande récompense. Mm. Tu n'as plus confiance en Dieu. You know my trust in God. Il faut laisser. Forget. Il n'y aura pas de récompense. There will be no reward. La vie spirituelle, ce n'est pas le hasard. Spiritual life is not a chance. Si tu as confiance, If you trust, Dieu te bénit. God bless. Tu n'as pas confiance, you don't trust. Tu attends encore. You wait. Mm. Confiance. Trust. Confiance. Trust. Confiance. Trust. Assurance. 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 Persévérance. Perseverance. Persévérance. Perseverance. Persévérance. Perseverance. Courage. Yes. Courage. 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 Force. Strength. Force. Strength. Force. Strength. Tout est dans la tête. All is in the head. Force mentale. Mental force spirituelle. Spiritual strength. Force psychologique. Psychologic strength. Assurance mentale. Mental assurance. Il y a une jeune fille à Douala. There is a young girl at Douala. Son patron, son DG, Her boss, a été testé manager. Positif au corona. She was tested positive to COVID-19. Et comme elle est directrice d'achat, and she's a director of purchase. Donc elle est toujours dans le bureau du patron. She's always in the office of the boss. Dès qu'on a dit le patron a le corona, il est en confinement. When they said the boss has COVID-19, elle a commencé à faire les symptômes. She started having symptoms. Ma poitrine me pique. I have J'ai mal à la tête. My lungs. J'ai le rhume. Dès qu'elle est partie faire le test, When she went to make the test négatif, negative. Les symptômes sont partis. Symptoms disappeared. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Elle a développé la maladie psychologiquement. She developed a sickness psychologically. Il y a beaucoup de gens qui développent les possessions démoniaques psychologiques. There are many people who develop evil possessions. Il y a des gens qui ont développé la pauvreté psychologique. Some people have developed poverty La peur psychologique. Psychological tout fear. Commence dans la pensée. Everything starts in the thoughts. Tu les vois comme ça. You see him like this. Ils ont peur de tout. They are afraid of everything. C'est dans la psychologie là. It is in the head. C'est dans la pensée. It is in the thoughts. C'est dans leur âme. It is in their soul. Donc, le problème, so the problem n'est pas de chasser le démon. It's not to chase the demon c'est away, de délivrer leur âme. But to deliver their soul. De ce qui leur esprit what their spirit a enregistré. Has registered. De ce que leur âme what their soul a enregistré. Has registered. Si on n'enlève pas ça, If we don't remove, tout ce qu'on fait là ne sert à rien. All what we do is useless. Mm. Amen. Amen. Je suis venu te dire ce soir I came to tell you tonight que dans la royauté, that in royalty, dans la grandeur, in greatness,
Il faut avoir confiance en Dieu. You must trust in God. Il faut être sûr de ton Dieu. You must be sure of your God. Il ne faut pas abandonner ton Dieu. You must not leave your God. Il faut aimer ton Dieu. You have to love your Il faut God. T'accrocher à ton Dieu. You have to hunt to your God. Il faut marcher comme ton Dieu. You have to work like your God. Il faut avoir le courage, you need to have the courage, la force, strength, de ne pas abandonner. Not to give up. Ça ne sera pas facile. It will not be easy. Ça ne sera pas facile. It will not be easy. Ça ne sera pas facile. It will not be easy. Je dis ça ne sera pas facile. I say it will not be easy. Mais Dieu va faire. But God will do. Tu vas réussir. You will Tu vas t'en sortir. Le Dieu qui t'a dit, c'est le Dieu qui fera. Le Dieu qui t'a monté, c'est le Dieu qui t'amènera. Le Dieu qui t'a prédestiné, c'est le Dieu qui te positionnera. Je prie pour toi. Le Dieu de Salomon, qu'il a pris à l'âge de 15 ans pour le positionner, pour l'élever, pour le distinguer, ce Dieu te bénira. Ce Dieu t'élèvera. Ce Dieu changera ta vie. Il bénira tes enfants. Je prie et je prophétise par la grâce et l'onction de Dieu, le Dieu de toute grâce, avec l'assurance que tu as en lui, il changera ta vie, il changera ton histoire, il te fera du bien. Je déclare par l'onction du Saint-Esprit, tout plan de l'ennemi, tout projet du diable qui veut te décourager pour t'empêcher de croire, ce plan est brisé, ce projet est détruit. Je déclare par la grâce de Dieu, toi que Dieu appelle à la grandeur, tu ne t'arrêteras pas en chemin. Jamais. Toi que Dieu appelle à la gloire, tu n'abandonneras pas en chemin. Jamais. Tu signeras ce contrat. Amen. Tu partiras là où Dieu t'amène. Amen. Tu deviendras ce que Dieu a dit. Amen. Tu auras ce qu'il t'a promis. Amen. La mort ne te freinera pas. Jamais. Les envoûtements ne te freineront pas. Jamais. Les flèches ne t'arrêteront pas. Jamais. Je prophétise. Yes. Je déclare que le zèle du premier amour te soit restauré au nom de Jésus. Amen. Que l'envie que tu avais pour servir Dieu hey. Te soit restauré au nom de Jésus. Amen. Que la détermination que tu avais dans l'œuvre de Dieu hey. Te soit restauré au nom de Jésus. Amen. Que l'envie que tu avais pour le salut des âmes, yes. l'amour que tu avais pour la parole de Dieu, hey. Pour méditer, hey. Pour prier, hey. Soit restauré dans ton cœur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Dépose dans mon cœur. Dépose dans mon cœur. La confiance. La confiance. L'assurance. L'assurance. Pendant que je prie. Pendant que je prie. En claquant les mains. En claquant les mains, demande à Dieu ce soir de déposer dans ta vie la confiance, l'assurance pendant que tu pries, pendant que tu pries, pendant que tu pries, pendant que tu pries. Élève ta voix et prie ce soir. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Je dois déposer dans ton cœur l'assurance, 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 la confiance, l'assurance, la confiance. Que le doute, les inquiétudes, les soucis qui t'empêchent de voir comme Dieu, qui t'empêchent de réaliser comme Dieu. Au nom de Jésus, amen. Amen. Église de Jésus, nous allons continuer de prier. Mais nous allons nous attaquer aux hôtels de découragement. Tu sais, tu peux demander la persévérance à Dieu, mais si tu as été emprisonné dans un hôtel de découragement, tu va persévérer un jour et le reste de jour, tu seras dans le découragement. Et la Bible dit que ce que nous détruirons sur la terre sera détruit au ciel. Donc ce soir, tu vas renverser tous les hôtels de découragement qui ont été bâtis dans ta vie, dans ta famille. Dis avec moi ce soir, Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que tout hôtel de découragement. Que tout hôtel de découragement. Qui me pousse à abandonner. Qui me pousse à abandonner. Qui m'empêche de persévérer. Qui m'empêche de persévérer. Je détruis cet hôtel maintenant. Je détruis pendant que je prie. Pendant que je prie. Est-ce que tu peux prier bien? Prie, 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 prie. Que l'hôtel de découragement soit détruit. Cet hôtel qui te fait abandonner. Qui te fait abandonner. Qui te fait baisser les bras. Qui te fait abandonner en chemin. Cet hôtel doit être brisé. Cet hôtel doit être brisé. Cet hôtel doit être brisé. L'hôtel de découragement dans ta vie doit être brisé. Doit être brisé. Doit être brisé. Cet hôtel qui fait en sorte que tu n'arrives pas à atteindre le bout. Cet hôtel qui fait en sorte que tu n'arrives pas à voir le bout du tunnel. Cet hôtel qui fait en sorte que tu t'arrêtes en chemin, commence à briser, à détruire, à détruire, à détruire. Au détruire. Nom de Jésus, amen. Amen. Église de Jésus, il y a ce qu'on appelle les esprits de blocage. Il y a certaines personnes qui ont la bonne volonté, mais lorsque tu es
possédé par un esprit de blocage. Alors, tu vas te rendre compte que lorsque tu traverses un palier, il y a un nouveau blocage et ça te pousse à te décourager. Ce soir, tu vas enlever, tu vas détruire, tu vas paralyser, tu vas renvoyer dans les abîmes tout esprit de blocage dans ta vie. Amen. Et parfois, les esprits là peuvent posséder toute une famille. Que tu te rends compte que ton père ou ta mère ou ton aîné a vécu les mêmes difficultés et toi, ton tout, tu vis ça. Ce soir, tu vas lier ces esprits envoyés dans les abîmes. Amen. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus. Père, au nom de que Jésus. Tout esprit de blocage, que tout esprit de blocage qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de progresser, qui m'empêche, de qui m'empêche d'augmenter, qui m'empêche d'augmenter, je sois lié ce soir et envoyé dans les abîmes. Pendant que je prie, en claquant les mains, envoie les esprits de blocage dans les abîmes. Yes. Cet esprit qui a bloqué ton père, hey. Cet esprit qui a bloqué ta mère, hey. Cet esprit qui a bloqué tes aînés, hey. Cet esprit qui te bloque toi-même, hey. Envoie cet esprit dans les abîmes, dans les abîmes. Envoie cet esprit dans les abîmes. Dans les abîmes, tout esprit de blocage dans tes projets, Michael. Tout esprit de blocage pour ton mariage, envoie dans les abîmes. Tout esprit de blocage pour ton voyage, dans les abîmes. Tout esprit de blocage pour ton travail, dans les abîmes. Pour tout esprit de blocage pour ton enfantement, dans les abîmes. Tout esprit de blocage pour ton argent. Envoie dans les abîmes. Yes. Envoie dans les abîmes. Yes. Envoie dans les abîmes. Dans les abîmes. Je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu peux prier? Je ne t'entends pas prier. Tout esprit de blocage qui combat ta vie, tes projets, tout esprit de blocage dans tes projets, dans tes relations, ce soir, lis cet esprit. Lis cet esprit. Lis cet esprit. Et envoie-le dans les abîmes. Dans les abîmes. Dans les abîmes. L'esprit de blocage. Dans tes relations, l'esprit de blocage. Dans tes relations, l'esprit de blocage. Dans ta famille. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lève tes deux mains. Seigneur notre Dieu, notre Père, notre Roi. Nous venons déclarer ce soir que tout esprit qui nous empêchait de persévérer, que tout esprit qui nous empêchait d'être patient, que ces esprits soient foudroyés dans nos vieux noms de Jésus. Amen. Nous déclarons et nous prophétisons que la persévérance et la patience soient déposées dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits au nom de Jésus. Amen. Qu'à partir d'aujourd'hui, plus aucun découragement ne sera possible au nom de Jésus. Amen. Merci pour la sagesse. Yes. Merci pour la réussite. Yes. Merci pour la gloire. Mm. Merci pour cette royauté. Que seul ton nom soit glorifié, c'est au nom souverain de Jésus que nous avons prié. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus avant de t'asseoir? Amen.